होली के शुभ दिन अपने आंचल में ढेर सारी खुशियों के रंग लिए धानी पहुंची अपने ससुराल। Cela allait être une très belle journée pour moi. Suman avait même accepté son crime. Elle aurait été condamnée à mort aussi. Mais aucune idée comment ce Viplav est arrivé. Il a argumenté et gâché tout le jeu, c'est pas possible. Si Viplav a gâché la partie, mais toi que faisais-tu, hein? Pourquoi étais-tu assis si tranquille? Pourquoi n'as-tu rien fait? Monsieur l'avocat, vous savez qu'aujourd'hui j'ai perdu une si grande opportunité de la punir. Ne vous en faites pas, Rajaji. L'opportunité frappera demain aussi. Demain nous allons utiliser sa plus grande force contre elle, vous allez voir. Et ensuite, je jure qu'elle va abdiquer, c'est certain. Vous allez voir ce qui va se passer, elle va perdre. Tant que Suman ne sera pas puni, je ne serai pas détendu. Je ne pourrai pas m'asseoir paisiblement. Faites quelque chose, monsieur l'avocat. Mon fils, enfin, écoute-moi. Raja, mon fils, écoute-moi. Mais calmez-vous. Mon fils, fils, s'il vous plaît, emmenez-moi là-bas. Je veux lui parler. Elle l'a pas tué. Elle ment, je le sais. Vous l'aimez. Vous devez savoir qu'elle ment. Voyons. Allons-y. Elle n'a pas tué, je le sais. Non, non, elle n'a rien fait. Venez, ma tante, je vais lui parler. Ma tante. Je vous promets que j'ai essayé. Dani ne veut parler à personne. Elle ne me parle pas non plus. Et je ne sais pas pourquoi elle ne veut parler à personne. Écoutez-moi, ma tante. Dites-moi tout. Peu importe ce qui s'est passé entre elle et Raja, vous devez tout me dire, ma tante. Comme ça, je pourrai me préparer pour son affaire et la faire libérer dès demain. Cette nuit, j'étais allée à sa rencontre. Et dès que je suis entrée à l'intérieur, j'ai vu que Dani venait en courant vers la porte. Avant que je puisse lui demander quoi que ce soit, elle m'a tiré et m'a fait fuir avec elle. Sur le chemin, elle m'a tout dit de ce qui s'était passé cette nuit-là. Monsieur l'inspecteur, je veux déposer une plainte. C'est mon enfant. Sa belle famille l'a beaucoup battue. Je veux déposer une plainte et vous écrivez le nom de ces personnes. Allô? Quoi? Votre fils Muna Awasti a été tué? Et le meurtrier s'est enfui? Quel nom vous m'avez dit? Suman. D'accord, on arrive tout de suite. C'est tout. J'ai pris ma fille et je me suis enfuie. Comme si je savais que quoi que nous disions ou fassions, personne ne croirait ce que nous raconterons. Je ne comprends pas. Comment une femme peut-elle dire autant sur elle-même à son amant? Probablement qu'elle n'a jamais été capable de dire. Mais vous avez fait une bonne chose de m'avoir tout dit aussi honnêtement. Et vous allez voir, je vous promets que demain dans ce tribunal, personne ne pourra m'empêcher de sauver Dani. Et n'ayez pas peur. Demain c'est la fête du feu, n'est-ce pas? Alors demain on va profiter pour faire brûler les mensonges. Et c'est seulement la vérité qui triomphera. Donnez-moi votre bénédiction pour que je puisse faire libérer Dani au plus vite. Oh, que Dieu vous bénisse et vous garde heureux. S'il vous plaît, sauvez ma fille. Vraiment rien d'autre. C'est mon bien le plus précieux. Sauvez-la. S'il vous plaît, sauvez ma fille. Ça va. Vous verrez. Demain, Dani rentrera à la maison. J'ai la foi. J'espère que vous l'amènerez. Je ne doute pas que vous l'aviez toujours soutenue. Vous l'amènerez. Je sais, vous l'amènerez. Je sais que vous allez l'amener. Je te promets de toujours protéger notre famille ainsi que nos enfants. À partir d'aujourd'hui, que ce soit de la joie ou de la peine, je te promets de tout partager avec toi, Dani. Je te promets d'être une amie ainsi qu'une partenaire pour toute la vie. Toute notre vie sera basée sur la confiance et l'amour.
À quoi bon pleurer maintenant? Je n'ai que ce soir avec moi. Demain, je vais devoir remplir la promesse que je me suis faite. Tout ça ne va durer qu'une nuit, Dani. Demain, le sort de notre avenir sera scellé. Je fais la promesse de ne jamais m'immiscer entre le bonheur de Viplav et sa famille. Ta vie et ma vie sont reliées, Dani. Et demain, j'arrangerai tout ça. Monsieur le juge, je ne comprends toujours pas jusqu'à présent pourquoi nous nous permettons de gaspiller un jour de plus qui est important quand même au tribunal. Dites-moi. Monsieur le juge, les allégations contre la famille Awasti étaient des mensonges. Mais pourtant, aujourd'hui, en allant plus loin dans la procédure du tribunal, je veux présenter mon témoin. Et mon premier témoin est Sulakshna. Permission accordée. Merci beaucoup, monsieur. Pourriez-vous dire à cette cour comment était la relation de votre belle-fille, s'il vous plaît? C'était merveilleux, monsieur l'avocat, merveilleux. Ça veut dire qu'elle prenait bien soin de lui, n'est-ce pas, c'est ça? Oui. Oui. Eh bien, avant Mouna, elle servait toujours de la nourriture à Radia. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Les vêtements, tout. Plus que moi, elle s'occupait de lui. Monsieur le juge, quand elle est venue pour la première fois, j'ai pensé qu'une fille cultivée est entrée dans la maison. Lentement. Cette fille a commencé à dévoiler ses vraies couleurs. Elle était devenue un caméléon. Comment aurais-je su qu'une fille aussi innocente un jour allait tuer mon Mouna un jour, monsieur le juge? Monsieur le juge, elle avait toujours des mauvaises intentions. Elle n'est pas claire. Silence! Monsieur le juge, elle ment. Je vous jure que ces gens mentent. Ce sont des menteurs. Son fils aîné buvait de l'alcool et venait tous les jours et battait ma fille. Mais enfin, pourquoi racontez-vous des mensonges? S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous pouvez y aller. Monsieur le juge, j'aimerais appeler la tante de Mouna Awasti. Permission accordée. Vous pouvez partir maintenant. Monsieur le juge, je voudrais appeler Raja Awasti, qui est le frère cadet de Mouna Awasti. Raj, que voulez-vous dire à cette cour? Que voulez-vous nous divulguer? Allez-y. Quoi qu'il en soit, elle est ma belle-sœur, vous savez. Et au sujet de ma belle-sœur, je ne peux pas dire une telle chose. Mais oui, cette nuit-là, j'ai vu mon frère aîné couvert de sang. C'était vraiment horrible à voir. Belle-sœur Souman avait un morceau de verre à la main et elle était assise à côté de lui. Vous pouvez y aller. Votre honneur, tous les témoins et toutes les preuves prouvent désormais que cette femme a bel et bien assassiné son pauvre mari. Quand elle a appris que sa belle famille avait tout découvert à ce sujet-là, votre honneur, elle a commencé à planifier de s'enfuir de là-bas. Et un jour, en attendant le bon moment, elle a volé tout l'argent et les bijoux et s'est enfuie très vite de cet endroit, votre honneur. Mais Mouna Swatiji l'a arrêtée et afin de sauver sa peau, eh bien, elle a tué son mari, monsieur le juge. Cette femme sans caractère n'est qu'une meurtrière. Objection, votre honneur! Mon collègue veut absolument renforcer ce qu'il dit maintenant en ternissant la réputation de ma cliente. Dani, arrête ça, ma fille. Mais enfin, dis la vérité, ma fille. Si tu ne dis pas, ces gens continueront à faire de telles allégations. Allez, dis la vérité à tout le monde. Dis-le, dis la vérité à tout le monde. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous.
Monsieur le juge, peut-être que mon ami pense que la déclaration que les membres de la famille de Muna Huasti ont faite est fausse. Mais que pense-t-il de sa mère? Parce que maintenant, le témoin que je vais présenter n'est nul autre que sa mère, monsieur le juge. Je veux dire, je veux votre permission pour appeler sa mère Kanak. Permission accordée. Kanak, que voulez-vous dire à propos de Dani? Dites-le-nous. C'est bien vrai qu'elle a profité de sa beauté. Et elle m'a arraché mon fils innocent. Je vous le dis, cette femme est vicieuse. Elle peut tout faire à son avantage. Votre honneur. Oui, c'est vrai. Madame Kanak Tripathi est ma mère. Mais je sais aussi très bien que ma mère déteste Dani depuis le début, en fait. Je peux tout à fait le prouver au tribunal, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, votre honneur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est si elle a agi avec préméditation ou pas. C'est pourquoi je vous demande de ne pas recevoir le témoignage de ma mère sur cette affaire, parce qu'elle n'est pas du tout objective et que ça va compromettre l'affaire. Retenu. Vous pouvez y aller. Combien de témoins mon collègue avocat rejettera-t-il? Le caractère de cette femme est ainsi, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, elle a réussi à avoir tous les gens riches. D'abord, elle s'est permise de piéger notre pauvre Muna, meurtrière. Assez! Je vous promets, si vous dites un mot de plus contre Dani, alors j'oublierai que je suis debout devant un tribunal. Monsieur le juge, mon collègue avocat est tellement aveuglé par l'amour pour cette fille qu'il n'arrive pas à percevoir la vérité. Elle n'est pas aveugle. Cette femme peut absolument tout voir. Ce serpent, d'abord, piège les gens riches, les utilise, et ensuite, elle les assassine. C'est une meurtrière, voilà ce qu'elle est. Hé hey! Je vous ai dit d'arrêter ça tout de suite. Vous ne pouvez pas comprendre? Vous dites un mot de plus. Un mot de plus, et je vous jure, c'est mon épouse, bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, votre honneur. Mais oui, c'est la vérité. Dani est devenue ma femme et nous nous sommes mariés. C'est moi qui ai convaincu Dani de m'épouser. Et en tant que son mari aujourd'hui, je peux qu'affirmer que même après le mariage, elle vit sa vie comme elle a toujours fait au foyer, comme une veuve. Notre statut ainsi que notre argent n'a rien changé pour elle. Tu n'es qu'une fille sans vergogne! Comment as-tu pu oser me prendre non, mon fils? Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Sorcière! Lâchez-moi, monsieur le juge! C'est une meurtrière! Cette femme est sans caractère! Monsieur Tripathi, ici c'est le tribunal. Contrôlez votre mère et votre femme. La décision sera prise après une demi-heure. Dieu, cette Dani est redevenue la belle-fille du fils de Raja. Et si le fils de Raja se marie à Shalini? Mais alors... Ma tante, il y a beaucoup de si et mais liés à cette affaire. Dani sera libérée de cette affaire. Je veux dire qu'Anviplav gagnera ce procès, si toutefois ça se produit. Cette affaire a été si bien préparée qu'aucun mari ne pourrait sauver sa femme. Vous m'entendez? Non, mon fils, non. Dans un jeu, ne considère jamais que l'ennemi est faible, compris? Tu as vu ce qui s'est passé. Il suffit de prendre suffisamment de recul de telle sorte qu'une nouvelle solution puisse sortir. Même si Dani réussit à s'échapper, nous devrons garder en tête un certain plan. C'est compris? Dulari, est-ce que c'est vrai que Dani a vraiment épousé Viplav? Alors pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ne sommes-nous pas ta famille? Non, maman Sita. Pourquoi dis-tu ça? Je voulais le dire, mais que faire?
Le mariage de Shalou est entré en conflit. Vipla voulait qu'il vienne à l'ashram et le dire à tout le monde. Comment aurais-je su que le passé de ma fille reviendrait comme ça et changerait tout? Et là, c'est arrivé. Mais, Maman Sita, je suis vraiment très heureuse. Oui, très heureuse que j'ai eu Vipla comme mon gendre. N'avez-vous pas vu comme il prenait soin d'elle? Je suis heureuse que ma fille se soit remariée. Vous verrez, oui, vous verrez. Il va sauver ma fille, n'est-ce pas? Je faisais confiance à Vipla depuis le début. Mais maintenant, je suis fière. Il a rempli le devoir d'un mari dans le vrai sens du terme. En une telle situation, il se tient à ses côtés lorsque même les meilleurs époux quittent la personne et s'en vont. Sita Mai, jusqu'à ce que l'avocat soit avec Dani, rien ne lui arrivera. Rien n'arrivera à ma fille. C'est vraiment très triste. Que Viplav fasse le travail d'un mauvais fils. La réputation que j'ai acquise pendant plusieurs années ensemble, il l'a ternie, il l'a complètement détruite. Cette année a détruit toute ma vie. Elle m'a arraché mon unique fils. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Dis-moi une chose, Viplav. Quand j'ai appris que tu rencontrais Dani en clandestin, je me suis senti très mal, très blessé. Mais aujourd'hui, tu as révélé que tu t'es marié avec Dani. Alors pense-y à ma condition. Tu as mis fin à notre relation, Viplav. Je ne pensais pas que tu aurais pu faire une chose pareille. Tu m'as fait beaucoup de mal, c'est comme si tu avais brisé ma confiance. Mieux que cela aurait été que tu m'aurais tué, Viplav. Je n'aurais pas eu à voir ce jour. Tout comme tout le monde ici. Toi aussi, tu t'es trompé sur moi. Je me suis dit que peu importe qui me comprendrait ou pas, mon grand-père, lui, me comprendrait. Tu as retourné la terre entière pour pouvoir créer des malentendus entre Dani et moi. Seulement parce que je suis tombé amoureux d'elle. Grand-père, tant qu'on n'aura pas le verdict pour cette affaire, tu ne pourras pas m'accorder ta confiance comme tu le faisais avant. Alors, donne-moi encore un peu de temps. Et je vais tout arranger. Waouh, Vipla, waouh. Mais elle connaissait Raja. Elle est pourtant restée silencieuse. As-tu une réponse à cela? Et puis tout d'un coup, elle est arrivée sur la scène du mariage et a fini par briser le mariage de mon enfant. Génial! Non, ce n'est pas vrai. Bravo! Ce n'est pas vrai, grand-père. Bravo. Dani ne savait pas que Raja était la même personne. Parce qu'en fait, Dani a vu la photo de Raja sur mon téléphone quelques minutes avant le mariage. C'est là qu'elle l'a appris. Et c'est une bonne chose, enfin. Pense-y. Oui, c'est une bonne chose. Nous avons appris quel genre de personnes Raja et sa famille sont. Si le mariage avait eu lieu et qu'elle faisait partie de cette famille, après, ils auraient commencé à montrer leur vraie couleur. Ils auraient commencé à s'en prendre à ma sœur. Alors qu'est-ce que nous aurions fait, grand-père? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Tu as lu 2 ou 3 livres et tu penses nous éduquer? Que penses-tu que je suis aveugle? Dis-moi! Réponds-moi! Que je peux pas voir? Je peux pas voir clairement, hein? Tout ce que vous manigancez, je le vois très bien, Viplav. Tu es devenu aveugle à cause de ton amour pour cette sorcière! Génial, mon fils! Tu as été vraiment très égoïste, tu sais! Mais souviens-toi, Viplav! Aujourd'hui, si à cause de toi, cette veuve ne va pas en prison, alors je te fais la promesse! Tu me verras comme morte!